Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du Cygne. On se retrouve sur notre partie de Stranded Alien Down. On avait fait nos 8 pièces, petite chambre. Il manque juste la quatrième. Donc là, on est installé en dur. C'est plutôt cool. Il nous restera à construire et agrandir ensuite un grand atelier. Alors, il y a Mazamara qui nous a suggéré d'aller rechercher les drones de livraison. Je pensais également, il y a les bottes domestiques, mais qui coûtent nettement plus cher à construire. C'est vrai que je suis un peu en galère de personnel globalement. Ils font pas mal de déplacements, ils perdent beaucoup de temps là-dedans. Alors j'ai un processeur IA, j'ai deux processeurs de base. Globalement, j'ai du mal à construire. C'est très net. J'ai besoin de carburant parce que j'ai un event avec une étoile filante sur laquelle je peux faire une expédition. Voilà. Donc bah, celui-ci, pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de carburant. J'ai besoin de pas mal de choses, comme d'hab. C'est un peu le principe, hein, mais en fait, j'aurais besoin techniquement vraiment d'un quatrième, au moins d'un quatrième humain. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Parce que elle, du coup, en plus, elle est en galère de. J'ai besoin de processeurs. J'ai besoin de trois processeurs. J'en ai qu'un seul en stock. Et puis j'y l'utilise, donc bref. Voilà, donc c'est ma principale difficulté actuellement, c'est d'arriver à construire suffisamment rapidement vieil équipement. Qu'est-ce que. Ouais, ça va. Franchement, c'est que ça. Katina. Enfin, Emeline, pardon, dont l'arbalète est bientôt cassée, mais j'en ai encore 3 en stock, c'est pas un souci. Tiens, cette veste là, ils ont tous une veste, oui. Donc là, cette veste là, je vais la casser. Hop. Je fais ça, ça va faire qu'il va la démonter. J'ai beaucoup trop d'armes laser, je pourrais aussi en démanteler plusieurs. Oui, d'autant plus que j'ai 3 sabres laser, donc je suis vraiment pas en. En galère, je garde les 3 les mieux en meilleur état. 73, 76. Ouais. Je vais garder tous ceux qui sont au-dessus de 50. Casquette. Elles sont dès que c'est en dessous de 50, je vais les récupérer. Les arbalètes. Alors là, par contre, je suis moins. Là, je vais garder même celles qui sont un peu endommagées. Pantalon, lance, très clairement, c'est pas la peine de s'emmerder à en garder 50 000. Et voilà, donc sur les vêtements, ça va. Hop, allez, on démarre. Là, je récupère ouais, tout ce qui était tombé par terre. 51%, c'est pic laser. Aucune recherche en attente, je sais. Hop, allez. Bon, il serait temps d'aller dormir, en effet. Là, ça démonte. Dégradation imminente, je peux pas y faire grand-chose. Ça me fait récupérer des ressources. Ça donne de la ferraille. Okay. Démonter ça aussi. Fouille. Ah. Très bien. Ça me fait récupérer des processeurs. Nickel.
Matériaux insuffisants. Oui, je suis au courant. Oh, pas atteint. Oh, en physique. GG. J'ai pas de quoi stocker la bouffe. Oui, je suis vraiment blindé en bouffe. Alors, attends, je pourrais faire dans les trucs pour m'économiser du temps. Je pourrais mettre jusqu'à une certaine limite. Parce que là, oui, clairement, des céréales, j'en ai, mais plus que la blinde. Donc 500, c'est déjà très très bien. Oui, j'aurais pu voir ici 1,1K, c'est beaucoup trop. En stock, je vais mettre la même limite partout. C'est pas la peine que je surcharge mes ateliers, enfin mes espaces de stockage. Hop. Jusqu'à 500. Ça, j'aurais jamais une limite trop importante. Même chose ici, là, ça devrait aller, je pense. Tel que c'est parti. Là, je vais mettre une limite de. Donc, je vais mettre une limite de 50. Ah! Ok. Oui, puis j'attends de pouvoir aussi construire ma nacelle, mais c'est pareil, pour ça j'ai besoin de carburant liquide. C'est vrai que les drones, ça pourrait le faire quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à transporter. Ah, ça sent l'attaque. Alors, qu'est-ce qui débarque? Votre commando, un drone d'assaut et sept. Okay. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils vont attaquer? De quel côté? Alors ça, du coup, je vais l'annuler. Histoire que j'ai personne qui vienne par là. Famille qui se barre, c'est très bien. Ça, on a dit que je voulais pas. Et les hyperbolés. Alors, ce qui permet d'obtenir du stimulant sur notre bonne vieille chaudière. Des stimulants. Hop. Jusqu'à en avoir 5. Tant pis si ces céréales-là se perdent, c'est pas dramatique. Et c'est parti pour l'attaque. Ils attaquent de nuit, tant qu'à faire. Ça permet d'être un peu plus pénible. Donc on mobilise tout le monde. Hop. Toi, ma chère Hope, tu vas aller te planquer à l'intérieur, histoire de ne pas te faire attaquer par les drones. On va mettre Emnissi Katina là. Ken ici. Testimonial, très bien. Une bonne nuit. Ouais, merde, du coup. Ah putain. Du coup, il passe par là. Et ça, c'est pas glauque du tout. Oh putain, il se fait tirer dessus quand même. Ça, c'est vraiment pénible. Ah non, la vache!
Je me fais stun. Parasite cérébraux. Depuis quelque temps maintenant, je ressens de légers spasmes musculaires, des maux de tête accompagnés de désorientation et des difficultés à me concentrer. J'ai éliminé toutes les causes traitables possibles, sauf une des parasites cérébraux. Je pourrais préparer et m'injecter un poison pour tenter de tuer ces parasites, mais les risques de lésions cérébrales sont réels. Eh ben, tu vas essayer, cocotin. Heureusement que j'ai mon laser. C'est quand même de loin le plus efficace. Il est immobilisé. Comme de toute façon, il se fait cramer par le laser. Aïe. Ken qui a pris cher. Bon. Globalement, tout le monde a pris cher. Et encore une fois, c'est clairement les tourelles qui nous sauvent. Alors, Katina, tu vas me soigner tout ce petit monde, s'il te plaît. Hop. Le bonheur est pas ouf. Non, tu vas pas dormir, cocotte. Je suis désolé de te le dire, mais je vais soigner. Toi, il te reste juste ça, donc tu vas arrêter d'attendre les soins. Ah, Emeline, c'est bon. Hop, c'est le timing. Soigner. Madame, c'est bon. Parfait. Et la récupération, c'est niette. Qu'est-ce qui m'a détruit d'autre? Bon. Il pleut toujours. Bon, et du coup, j'ai d'autres trucs à fouiller. Tac. Où est-ce qu'ils sont globalement? Votre commando. Qu'est-ce que j'ai d'autre à fouiller là-dedans? J'ai un peu tout mon camp. C'est pas super pratique. Là, j'ai les trucs d'assaut à fouiller. Et je dois avoir, logiquement, je dois avoir un drone. Où est-ce qu'il est le drone? J'ai toujours pas mes trois processeurs là avec ce que j'ai fouillé. C'est un peu pénible. Pistolet laser 2.0. Waouh. Donne-moi des processeurs, usine impulsion, ça c'est cool, ça c'est vraiment très très bien. Ken, pourquoi est-ce qu'il a douleur légère? Hop.
La bouffe qui se dégrade, c'est pas bien grave. Alors, c'est pareil là, du coup. Je vois que je commence à choper des trucs un peu meilleurs. Hop. Je vais faire tout ce qui est en dessous de 40. Ah ouais, ça me donne des trucs de carbone. Ah. Ça commence à être vraiment intéressant quand même. Alors, fusil impulsion, ça c'est vraiment top. Je vais le donner. Alors, le pistolet laser, je vais le donner plutôt à Ken. L'objectif c'est quand même de faire mal. Et Emeline, elle va choper le fusil impulsion. 3 en combat et 1 pour. Oui. Allez, on a hâte de pioncer. Pourquoi ça le... Ah, parce que Rhizoderme ne peut pas. C'est pas Rhizoderme, du coup. Il est en bois. Qu'est-ce que j'ai avec des fibres? Pourquoi est-ce que je fais pas ça avec des fibres? Ah, encore un noyau d'IA. Ouais, je vais peut-être après ça, je pense que je vais faire la recherche de bottes. Bottes domestiques. J'ai besoin de 100 d'alliage. Donc il faut que je me fasse un fourneau et que j'aille jusqu'à 100. Nickagel. Et yes, un processeur. Elle va pouvoir attendre des soins. Nickel. Se débarrasser de son petit problème qui limitait son apprentissage. Une météore. Alors là, j'ai fini de construire ma clôture extérieure, donc je vais pouvoir péter tout ce qui est là, tac, démolir, ainsi que ça. Hop, là j'ai encore récupéré ça que je peux démonter. Comment tu fais pour perdre tes plats là? Comment ça, Cathy, elle n'a rien à faire? Alors ça, je ne le crois pas. Si t'as rien à faire, ça veut dire que là, pourtant, t'as fabriqué. Ouais, bon, t'es parti dormir. Comment ça se fait que. Ah, elle a pas le niveau qu'il faut pour. Okay. Ouais, c'est du rhizoderme que j'ai fait. Pour l'idée.
En termes de morale, ça va? Bof, le bonheur, c'est pas ouf. Hein. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas? Puis ça veut pas remonter, hein. Le repos, il monte pas vite quand même, hein. Puis là, ça peut vraiment pas monter, hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas bien comment ça fonctionne. Ah si, là ça remonte. Ouais, ils passent leur temps à transporter en fait. Clairement, les drones seraient les bienvenus. Fier des nuées pour Katina. C'est Mine qui s'en occupe. Ok. Ah, yes. Enfin. Là, oui, c'est toujours pas alimenté du coup. Un peu de carburant. Donc là, c'est fait. Est-ce que j'ai toujours ma mission? Étoile filante, oui, tout juste. Hop, envoyé en expédition. File. Tout juste. Est-ce que j'ai vraiment besoin? Non, je vais arrêter de fouiller. Les pierres, j'en ai 380. Hop. Je vais arrêter de mettre. La fouille en priorité pour Ken. Je vais le passer en deux. Il faut impérativement qu'il me. Qu'il me fasse du. Qu'il me confectionne des trucs. Extraire. Ouais, alors ça c'était pas. Alors, les drones de livraison. Allez, j'ai besoin de processeurs, j'en ai plus. Good. Donc il faut le relier à un. Alors en fait c'est un pod de recharge de ce que je vois. Donc je vais pas le mettre là. Je vais le mettre c'est où électricité. Où est-ce qu'ils sont les drones de livraison? Ils sont dans stockage. Ah, c'est totalement intuitif. Je vais le mettre au centre là, histoire qu'il se fasse pas shooter. Si jamais il y a des vilains qui arrivent, je vais le mettre. Comme ce que j'ai eu à l'attaque précédente. 7 en intellect pour Hope, GG, mais il me manque du coup des processeurs. Ken est en train de se promener. Et ensuite, je vais le mettre sur le poste à souder. Il me faut des processeurs. Expédition attaquée. Merde. Risque de blessure élevé. Fuyez. Merde. Bon, bah, j'aurais perdu mon carburant. C'est un peu con. Ouais, c'est le problème des expéditions. C'est vrai que Katina, elle n'est pas vraiment équipée pour.
vu ses compétences de combat. Dégradation de bouffe. Ça c'est quoi? Il me faut encore un processeur. Je suis peut-être un peu gourmand. Là, tu me fais une veste, j'en ai pas grand chose à secouer en fait. Bon, allez. Je te laisse terminer ça. Pour tout le reste, la limite est atteinte. Fabrication de Medikit, très bien. Hope s'améliore. Ah, actualité, le temps passe. Et je me suis pleinement consacré à l'acquisition des savoirs. Ma vie ici m'a éclairé sur l'humanité. Derrière moi, je me suis penché sur les cultures humaines, les langues. Des langues à l'art, je n'ai pas chômé. Mais je suis tout prêt d'optimiser mon intelligence artificielle. C'est un peu comme arriver à la fin d'un livre. Je ne suis pas au bout de mon évolution. Pour autant, voulez-vous choisir un autre talent? Chasse et combat, on a dit. Non, construction de bâtiments et d'appareils. Pourquoi pas? Préparation de repas, c'est pas nécessaire. Hop, mais très clairement. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Construire 3. C'est pas ma priorité. Je vais aussi passer ça en 2. Je préférerais, en fait, avant de pouvoir rechercher des trucs intéressants. Katina n'a rien à faire. Eh bien, Katina, c'est toi qui vas faire les bandages. D'accord, ok. Et Mine fait les processeurs, parfait. Ça, c'est mieux comme répartition. Hope est au bord de la crise de nerfs. Faim dévorante. Tâche insuffisante. Bah, il faut le manger. Voilà, ça ira mieux tout de suite. Et Katina est malade, fièvre des nuées. Emeline. Non, non, non. Ouais, fourneau c'est nécessaire, orage. On va le manger ce qu'il faut en paratonnerre. Tâche insuffisante, moins 30. Oh, elle est un peu compliquée cette jeune fille. À répéter le même talent, je me sens robotique et trop basique. Elle fait de la recherche, elle fait. Franchement, elle exagère. Ah, fouille, encore du carburant. Ah non, c'est le carburant tout à l'heure. Alors, les Medikits, c'est bien, j'en ai 8 sur 10. Tu vois, tu fais du transport, tu fais... Ah, très bien, du carburant. Need du carburant pour faire du commerce, ce sera très bien. Pour récupérer les trucs, il manque. Comme j'ai plein, en plus j'ai plein de Galactic Coins.
Le fumier, j'en ai combien en stock? 205. Oui, j'en ai besoin là aussi. Allez, un processeur. Conteneur. Conteneur, c'était quand même la proximité. Ok. Platina. Hop. Ah oui, non, j'ai pas assez de. J'ai pas encore assez de carburant. Bon, ça va le faire. J'avais pas des pipes. Des pipes de tabacante. Ah si, je l'ai là. Yes, allez, je vais avoir mes drones. 5 en fabrication, GG. Et mine. Comment ça, t'as rien à faire? Va terminer ton fumier. Échec. Oh. Pénible. Hop, bah tiens. Ah non. Construire. Faut juste pas qu'elle se plante, j'espère qu'elle peut pas se planter. Ça sera cool si on a un drone. Yes. Construire un robot. J'ai eu un succès. Dim. Alors, ah, là, je peux repartir en expédition. Tac, vers le conteneur. Hop. Ça ne l'a pas enregistré. Ah si. Alors, zut. Ah, c'est chiant. Coupé. Sur ces gros trucs, c'est un peu chiant. Ah, et une autre attaque. Avec des drones, un engin de siège. Waouh, et 16. Oh la vache. Ça rigole pas là. Ouf. Des engins de siège. Tourelle mitrailleuse. Et en plus, ils arrivent où par rapport?
Alors si, heureusement, ils sont du bon côté par rapport à mes tourelles. Mais Katina étant loin. Le petit drone qui se balade. Ah, c'est cool ça. Ça fonctionne bien. Attaque. Allez. Tac tac. Zut, je l'aurais pas fait prendre. Alors attends. Démobiliser, tu vas équiper le pistolet laser. Impossible. Toi, tu vas aller chercher. Démobilise. Le fusil impulsion. Hop, toi, tu vas aller chercher le pistolet laser. Bon, là, heureusement, c'est deux jours. Je sais pas quelle portée ça tire, c'est ça le prix, là. C'est pas indiqué. Hop. Mobiliser. Je vais tout de suite ici. Hop. Mobiliser ici. Alors, le conteneur chargé des médicaments, tout ce qui est comestible, des vêtements en bon état, étouffer l'incendie pour nous permettre d'y retourner après. Toutes sortes de médicaments, j'en ai pas vraiment besoin. Comestibles, j'en ai pas vraiment besoin non plus. Et je suis quand même un peu short en carburant. Je vais prendre les vêtements. J'ai une plus grande portée que. Ouf. Là, ça serait attiré. Non, ça va. Qu'est-ce qui me reste? Où est-ce qu'ils sont les autres vilains? Ah, ils arrivent. Ah, d'accord, il y avait deux groupes qui étaient divisés. Ça tombe bien qu'ils soient tous passés au même endroit. Burnout. Ça prend cher quand même. Yes, allez. Démobiliser. Bon, ça fait deux attaques gérées. Sur cet épisode. Et puis bien géré du coup. Ouais, le drone qui se balade, c'est top. En fait, c'est vraiment top. Merci. Un grand merci. Mazamara pour la suggestion, c'était vraiment très efficace. Vieil équipement, ça va franchement. Wow. Oh la vache, ça m'a tout défoncé. Mayday, on déplace. On va mettre ça. Ça m'a complètement défoncé mes plantes. Non, pas là même. Déplacer. Avec rien autour. Ah putain. Ah, quelle merde. Allez, je vais bientôt pouvoir faire. Avoir mon carburant. Et du coup, il faut que. Alors là, il faut que j'observe.
lui si je peux fouiller. Tout ce qui est là, hop, fouille. Tout ce qui est là, fouille. Et du coup, back-end, je vais le repasser en priorité à la fouille recyclée. Observe, c'est bien hope. Et du coup, ça veut dire qu'Alstina répare. Quelle. Bien, 15 composants électroniques, ça va. Encore un noyau d'IA, un processeur d'IA, 2. Découverte. Alors, observez un autre succès. Nouvelle recherche tourelle mobile. Alors, découverte. Le consortium n'a développé ces machines que très récemment. Déployées sur de rares missions et dans le secret le plus strict, elles embarquent un système d'intelligence artificielle pour négocier les terrains les plus impraticables et engager les cibles à longue distance. J'ai réussi à extraire assez d'informations de leur système d'exploitation pour nous permettre d'en faire l'ingénierie inverse. J'ai donc débloqué les tourelles mobiles. D'accord. Deux noyaux d'IA. Pouah, vache. Bien. Et ben on va s'arrêter ici avec cette nouvelle découverte. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vous fais bien des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.